parce que l'œuf est mayonnaise avec l'huile d'olive pour les cheveux. Donc, vous voyez, mes cheveux sont encore crus. J'ai même pas peigné. Et je ne sais pas si je vais peigner ça. Ah ouais. Bon, comment faire le masque? Déjà, j'ai ma mayonnaise. Mon huile d'olive. Et mes œufs. Mais je vais utiliser seulement les jaunes d'œufs. Je vais pas utiliser le blanc. Donc, du coup, je vais faire le blanc et le jaune. Le jaune, ouais. Ouh, apparemment, c'est si cool déjà. Pardon. Voilà que tout est séparé, je vais ajouter ma mayonnaise. Une cuillère pleine. Dans mon bol. Ah, j'en ai. Et je vais mixer. Vous n'allez pas pouvoir voir ça après, je vais retourner la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Donc ça va se faire sur ma tête. Hein. Maintenant, je mets 2 cuillères d'huile d'olive. Deux. And I mix. Tout. Ah, j'ai oublié un truc. Ceci, c'est pour plastifier ma tête après la procédure. Mais si vous avez un plastique blanc, vous pouvez utiliser avant d'utiliser le chapeau de bain. Mais si vous n'avez pas, utilisez l'autre qui est appelé en anglais le cling film par rapport au papier à l'huile. Ah, pour ça, c'est le cling film. Mais utilisez l'autre qui est transparent, vous comprenez quoi. Maintenant que je crois que ma procédure est prête, je vais peigner mes cheveux et diviser en quatre. Je vais seulement utiliser mes cheveux en quatre. Ah putain, ça fait. Oh, pardon, pourquoi avoir les cheveux durs comme pour moi, c'est là. Et sec, maman. Ce n'est pas tellement dur, c'est sec comme le Kuchabanga. L'éponge métallique, pour ceux qui savent pas ce que le Kuchabanga c'est. Maman, même pour diviser sans le problème. Et ce qui est mauvais, c'est que tu ne peux même pas mouiller tes cheveux avant de faire cette procédure. Non, mais t'es pas procédure, mes cheveux tout secs. Maintenant, je vais laver mes mains pour pouvoir aller. Bref, maintenant, je vais devoir laver mes mains pour pouvoir attacher mes cheveux et rester 20 à 30 minutes avec. Je sais même pas comment je vais commencer à attacher ça avec ça. Mais je vais essayer. La vie, c'est pas mes effets, non? Ah, ça brille.
je vais souder. Bon, du coup, je vais rester comme ça 20 à 30 minutes comme prévu et je vais vous montrer la finale quand je vais laver. Hey! Nous sommes de retour. J'ai laissé sécher mes cheveux. Maintenant, je vais appliquer mon huile de cheveux qui est chez Bota. Désolée, j'ai pas ça dans sa boîte d'origine parce que c'est venu dans un plastique. En fait, mais c'est du chèvre de cru. Beurre de karité cru. Il y a beaucoup de différence quand j'ai commencé à mettre ça. Hein. Ça laisse un peu les cheveux naturels, ça rend tes cheveux naturels. Donc, si, du coup, si tu as le pot sur tes cheveux et tu veux rentrer à la naturelle, si tu fais cette procédure plusieurs fois, crois-moi, tes cheveux vont rentrer cru. Bon, si tu appliques ça comme ta procédure régulière, tes cheveux vont rentrer crépus, comme ça se doit. Et quand je lave les cheveux, ça ne casse pas les cheveux. Parce que moi, en fait, quand j'ai mis ça, j'avais le pot, mais à ma grande surprise, quand j'ai lavé, ça n'a pas cassé mes cheveux. Mais d'habitude, quand je fais juste du shampoing, ma salle de bain est remplie de cheveux piqués. Je vais peigner avant d'appliquer mon huile de cheveux, mon shea butter. Et comme d'hab, je vais Désolée. Comme d'hab, je vais partager mes cheveux en quatre parties. C'est pour que mon shea butter ça pénètre bien et. Et puis je faisais propre, madame Mia. Voilà, je garde mes cheveux là pour que ça reste protégé jusqu'à ce que je vais me coiffer. Donc, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle astuce. Je sais pas, ça sera pour le visage peut-être. Ou encore les cheveux. Mais croyez-moi, œuf mayonnaise, huile d'olive, meilleure astuce pour les cheveux. Surtout, tu as les cheveux défrisés et tu veux rendre tes cheveux nappés. Bisous. Don't forget to subscribe.